Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, je vous invite à continuer avec moi ces 100 jours de prière. Et je dois vous le dire, c'est une grâce si nous sommes encore en vie pour continuer à prier. C'est pour cette raison que même si Dieu ne répond pas toujours favorablement ou comme vous le souhaitez à vos différentes prières, mais Dieu a toujours une manière plus correcte de nous protéger. Et je vous invite à prendre part à cette série de 100 jours de prière et à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin actuellement. Aujourd'hui, le thème de la méditation, alors que nous sommes arrivés au jour 32, le thème de cette méditation pour aujourd'hui, c'est bien réclamer les promesses de Dieu. Dieu a beaucoup de promesses qu'il nous avait déjà faites auparavant, mais aujourd'hui, je vous invite à travers cette méditation à réclamer chacune des promesses de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Nous trouvons bien ce texte dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Chaque promesse contenue dans la parole de Dieu est pour nous. Dans vos prières, présentez la promesse de Jéhovah et par la foi, réclamez ces promesses-là. Sa parole est l'assurance que si vous demandez avec foi, vous recevrez toutes les bénédictions spirituelles. Et je dis toutes les bénédictions spirituelles. Continuez à demander et vous recevrez extrêmement et abondamment au-dessus de tout ce que vous demandez ou au-dessus de tout ce que vous pensez pouvoir avoir. Renseignez-vous avec confiance illimitée en Dieu. Portez tous vos soins sur lui. Attendez patiemment et il le réalisera. Aujourd'hui, je vous invite donc à méditer sur ces questions. Que signifie avoir une confiance illimitée en Dieu? Si chaque promesse de la parole est en effet pour nous, comme on nous le dit, pourquoi sommes-nous souvent si réticents à prendre Dieu, le Seigneur qui possède toute la terre, au mot? De quelle façon pourrions-nous changer nos prières de toutes défaillantes en prières de foi confiantes? Pour pouvoir vous réconforter dans la parole de Dieu, je vous invite donc à rechercher et à lire ces textes suivants. Jean 6, verset 37, Hébreux 11, verset 6 et Romains 10, verset 17. Aujourd'hui, tout comme à l'accoutumée, nous louons le Seigneur. Nous le louons pour avoir résolu les problèmes techniques que récemment on avait trouvés avec Hope Awakens, la série de It is Written. Nous continuons de prier pour la provision et la protection de Dieu sur toute la durée de cette série. Prions, frères et sœurs, prions pour ceux qui écoutent et regardent actuellement cette série. Prions pour que Dieu puisse ouvrir ses cœurs et que sa vie soit changée à jamais. Prions pour ceux qui luttent avec la pandémie COVID-19. Prions pour que Dieu leur donne le souffle, la guérison spirituelle et également la guérison physique. Prions pour tous les travailleurs de première ligne et essentiels, du personnel médical aux employés. Prions pour les personnes âgées qui sont malheureusement coincées dans des maisons de repos et ces personnes ne peuvent pas recevoir les visites provenant de leur famille ou des gens qui les tiennent à cœur. Prions pour ceux qui souffrent d'anxiété en ce moment, pour ceux qui ont peur et surtout pour ceux qui vivent seuls. Si vous connaissez quelqu'un qui répond aux critères que nous venons de citer, prions pour lui et cherchons un moyen de pouvoir entrer en contact avec ces genres de personnes-là de manière à leur prêter toute notre attention et de manière à ce qu'ils soient socialement beaucoup plus épanouis, sûrs et appropriés. Frères et sœurs, prions le Seigneur, prions-le tous les jours.